avec ça, j'ai vraiment l'impression. Arrête de faire tes grosses narines. J'ai pris mon courage en tête. Viens, raconte à l'Ousébé. Je vais tout raccrocher au nez. Je touche du bois. Inch'Allah. Si Dieu veut, je touche du bois. Bidnillah. L'argent n'a pas du goût. Attention, Lilian. En français, on dit l'argent n'a pas d'odeur. Pas l'argent n'a pas de goût. Oui, je dis moi que l'argent n'a pas du goût. L'argent n'a pas du goût. L'argent n'a pas du goût. Tant que je ne peux pas travailler légalement, si je travaille légalement, là, je vais sentir le goût de mon argent. En attendant. En attendant, les rois ne touchent pas la canne à pêche. Ils mangent le poisson déjà préparé. Moi, mon bonheur, c'est prendre la canne à pêche pour attraper le poisson. Oh, du poisson! Oh, mais arrête de faire tes grosses narines! Non, Yosra, non. On ne dit pas faire des grosses narines, on dit faire des gros yeux. Mais si, arrête de vouloir faire des grosses narines. C'est quand tu es du côté par quelque chose ou par ce que dit quelqu'un. Ah oui, c'est ce qui me donne envie de raccrocher au nez. Moi, ce qui me donne envie de raccrocher au nez, c'est quand mon père me dit, c'est quand tu tombes enceinte. Moi, c'est quand on m'énerve par des gros mots. Moi, c'est quand la Bible au téléphone. Moi, quand je dispute avec ma soeur. Quand on me dit, tu rentres quand? Je vois mes amis, ma famille. Je vois la maison de mes parents. Je vois autour de moi beaucoup de membres et de mosquées. J'entends des voix que je connais déjà. J'entends le rire des enfants de mon frère et de ma sœur. J'entends la parole des gens et la paix de la prière. Je sens l'odeur de la liberté. Je me sens très heureuse. Je sens des bons plats. Je touche des vieux murs. Je touche tous les trucs. Je touche du musée. Je pense à une nouvelle ville. Je pense que je resterai toujours avec ma famille. Je pense que je reviendrai un jour. Inch'Allah. Si Dieu le veut. Je touche du bois pour que tous les gens à la rue trouvent un logement permanent. En bonne santé. Acheter un congé. Acheter une maison. Pour mes papiers. Pour pouvoir apprendre le français avec son papier. Faire ses papiers, acheter une maison, j'ai pas la recette. Non. Mais alors, pour un bon cours de français, j'ai une super recette. 900 g d'écoute, 250 g de partager d'informations, un sachet de respect, une cuillère d'amusement quand même, 2 cuillères de dialogue, 2 cuillères de conjugaison et de grammaire. Et bien sûr, un peu de café. C'est une bonne recette, c'est vrai. Mais pour apprendre le français, il faut prendre son courage en tête. Hé, Salif, attention, tu te trompes. On ne dit pas prendre son courage en tête, on dit prendre son courage. À demain. À demain. Pas du tout, mon frère. Je ne suis pas d'accord. Prendre son courage en tête, ça veut dire prendre ses soucis et prendre psychologiquement le courage. Il y en a des choses pour lesquelles il faut prendre son courage, comme faire le ménage par exemple, quand je n'ai pas envie. Les premiers jours de travail. Quand tu passes un examen. Allez, en manifestation, faire ça la police. Pas du tout, ma chère. Je connais qu'est-ce que le courage. J'ai traversé le désert du Sahara, puis la mer méditerranéenne. Moi aussi, Salif. J'ai traversé la mer méditerranéenne une fois, puis deux. Je me suis cassé les jambes. Je me suis cassé les jambes deux fois. Je suis quand même arrivé devant le consulat. C'était fermé. Je suis allé là-bas pour rien. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main pour aller chez mon père. Donne-moi ta main quand mon père me laisse seul. Donne-moi ta main qui me soulage quand tout va mal. J'ai mis plein de courage. Sur ma tartine de mariage. Ce matin, j'ai mangé ma haine avec des mots mal passés. Toute la journée, je l'ai passée à penser et à dire ça ira. Toute la journée, je l'ai passée à craquer, à donner des coups de tête.
J'ai envie de ce que cela ne soit plus très long. J'ai envie que ça change. Et avant d'aller aventurer. Et avant de l'aventurer, je voudrais vous apporter une recette pleine de courage. Je voudrais vous apporter un sac de sardines pleine d'aventure. Pleine de réussite. Bien fraîche. Bien cuite. Bien salée. C'est bien sucré. C'est très facile à préparer. Qui veut la goûter? Toi?